Hey, what's up everyone and welcome back to the vlog. Bon, je vais juste prendre le temps de setuper ma cam. Et voilà, Gorilla Pod Challenge, let's go. Et voilà, on est rendu au vlog. Ça c'est clair que ça a piqué. Désolé. On est rendu au vlog 50, c'était le drone, 51, c'était how to make money, comment faire de l'argent avec la caméra. 52, on est rendu au vlog 52. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui. Oh seigneur. La coupe de cheveux. Hey, ben oui, j'ai commandé cette casquette-là. C'est pas sponsor, je voulais juste vous le dire. Pareil, j'ai commandé cette casquette-là sur Six Hat Supply. C'est une compagnie qui fait des casquettes. Puis si, en achetant une casquette, vous allez pouvoir fournir de l'eau potable, de la drinking water, à 6 personnes durant une année complète. Fait que c'est pas commandité, rien, mais je trouve ça bien cool. Puis c'est comment que la shape de la casquette, c'est direct ça que j'aime comme casquette. Fait que le link est en dessous si vous voulez vous acheter des casquettes. Ça va faire votre BA de la journée. Hey, aujourd'hui, la gang, ça me tentait de lâcher mon petit Peter McKinnon. Puis faire mon petit Casey Neistat à la place. Ça me tente pas de vous montrer un tutoriel de comment faire telle affaire ou de vous donner des conseils. Ça me tentait de vlogger comme un vrai de vrai vlog. Fait que aujourd'hui, on est chez nous. Puis c'est ça. Je voulais parler avec vous autres. On est rendu avec un nouveau petit chat. Ben, un nouveau petit chat. On n'avait pas de petit chat, mais on est rendu avec un petit chat. Mais ça fait juste 2 jours qu'on l'a. Il est où? Le petit chat. Ah, il est en arrière. Il est juste là. C'est le petit chat! Oh seigneur, le watt balance, il rush un peu. C'est notre petit chat! Attendez un peu. Il s'appelle Batman! C'est Batman le chat. Allô! Il a peur de tout, là. Il s'en va. Allez, retourne. Fait que c'est rendu notre chat. Ma blonde me gossait pour avoir un petit chat. Fait qu'on l'a. Il est juste là. Le petit minet. Fait qu'on est rendu avec un petit chat. Ça fait 2 jours. Moi, je suis pas un gars qui traite bien main ses animaux. Mais à date, ça va quand même relativement bien. J'avais comme idée qu'elle allait tout détruire notre chez nous. Finalement, c'est quand même pas super à date. On l'a appelé Batman. Ben, en fait, elle l'a appelé Batman. Puis elle m'a dit, c'est correct. J'ai fait, bon, écoute, je pense pas que j'ai tant mon mot à dire là-dessus. Mais on l'a appelé Batman. Moi, je l'appelle des fois mon petit tracteur parce qu'il arrête pas de ronronner. À chaque fois qu'on le prend dans nos bras, il ronronne. Il est bien drôle. Il est bien drôle. Je suis pas habitué d'avoir des animaux. Là, on a un chien, un chat. Moi, ça, c'est. Mes amis savent. Il faut que je l'aime, ma blonde, pour avoir un chat et un chien, parce que c'est vraiment pas mon genre. Et là, je vais vous montrer mon studio. C'est là que ça se gâte. Chez nous, tout est beau, sauf mon studio. Sauf mon studio, c'est le bordel total. Il y a du stock partout. Il y a du stock partout sur le plancher. Vous allez me dire, ouais, Julien, t'aurais pu faire le ménage. Ok, je te donne un point, mais j'ai pas de rangement. C'est ça le problème, j'ai pas de rangement. Fait que j'ai du stock partout. J'ai du stock là, j'en ai sur le piano, sur la chaise, à terre. J'ai des tiroirs de sortie. J'ai du stock de caméra là. J'ai mon sac de caméra à terre là avec mon drone. J'ai d'autres stocks là. Fait qu'aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que. Il faut que je fasse le ménage de ça. Il faut que je fasse le ménage de ça. Puis après ça, je vais avoir besoin de tes conseils pour savoir comment je vais remplir ça, ce studio-là. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de créativité qui est ici. Il y a juste du stock partout à terre. Puis je peux pas marcher. Fait qu'à un moment donné, il faut faire le ménage un peu. Alright! Yes sir, le ménage, il est fait. Il est fait. J'ai en partie fait du ménage et en partie déplacé le problème. C'est ça que j'ai fait.
Fais juste changer de tune, ça sera pas cette tune là. Non? De quoi peut-être juste un petit peu plus funky. Là. Ok, ouais. Descends un peu le volume, juste un peu. Alright, yes sir! Fait que le setup, il est semi-pensé du studio. Le voici. J'avais idée, dans cette section-là, de m'acheter un coffre à outils pour pouvoir mettre tout mon équipement de caméra. J'ai de l'équipement de caméra qui est juste à côté de mon bureau. Ça marche comme pas, c'est pas facilement accessible. J'ai des couvertes qui sont encore là parce que j'ai pas d'espace de rangement. En achetant un coffre à outils, je m'étais dit que je pourrais mettre toutes mes clamps, toutes mes couvertes, tout mon stock de nettoyage pour ma lens, tout mon setup de chargeage de batterie à cause que présentement j'ai mon chargeur de batterie de drone en dessous de mon piano, j'ai mon chargeur de caméra juste où c'est que mon espèce de pouf divan mettons, fait que ça marche comme pas, c'est pas tout en même place, ça me gosse. J'aimerais ça avoir justement le coffre à outils juste collé sur le mur. En haut de ça, j'achèterais des pegboards. Vous avez déjà vu ça, c'est comme des panneaux troués. Fait que je pourrais mettre un genre de setup de station de chargeage de batterie avec des néons. Ça pourrait être super cool. Puis en face de la fenêtre, je pourrais mettre une table. Ce qui me permettrait d'avoir de remplir mon sac de caméra sur cette table-là. J'aurais juste à y aller back and forth par rapport au coffre à outils et la table, et ce serait facile de partir pour mes contrats photo et ou vidéo. Je pourrais mettre la caméra juste ici, où c'est que je suis. Je pourrais être à l'arrière de la table et vous parler, puis vous auriez comme le background setup de coffre à outils avec, ce serait un assez gros coffre, avec les pegboards, avec les néons, je peinturerais le mur, c'est mon thinking. Fait que ça serait comme mon petit setup en même temps pour le vlog, en même temps d'être utile pour mes contrats photo vidéo. Je pourrais faire mes petits tutoriels ici ou donner des conseils juste là. Ça pourrait être cool, je crois, à voir sur YouTube. Fait que c'est mon thinking. J'avais d'autres choses pour le reste, mais ça coûte des sous. Je l'ai, c'est pas un problème. C'est juste que je veux pas non plus dépenser 3-4 000 piastres dans le studio. Fait que je me demandais qu'est-ce que vous en pensiez. Est-ce que vous trouvez que mon idée est bonne? Est-ce que vous avez des meilleures idées? Je suis libre à les écouter. Vous pouvez les écrire dans les commentaires. Dites-moi si c'est une bonne idée. Dites-moi qu'est-ce que vous voudriez voir dans le studio. Y a-t-il un élément que vous avez déjà vu sur une autre chaîne YouTube que vous avez fait « Hey, c'est vraiment hot ça! » Faudrait que quelqu'un d'autre aille ça. Faudrait que Julien aille ça. Fait que écrivez ça dans les commentaires. Je vais vous lire, c'est sûr et certain. C'était mon thinking par rapport à mon studio. J'ai quitté l'ancien studio. Ça a arrêté le 1er septembre. Fait que maintenant, je veux faire mon home studio. Pourquoi j'ai quitté, en fait, le studio? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si je voulais jouer à l'ordinateur, je devais tout le temps aller au studio. Mais maintenant que j'habite avec ma conjointe, je voulais passer du temps avec elle. Fait que ça marchait comme pas vraiment. On va descendre un peu la lumière. Ça marchait comme pas vraiment. Fait que j'ai décidé d'avoir mon bureau ici. L'autre raison, c'est que ça coûtait vraiment pas cher comme studio, mais ça coûtait quand même de quoi. Et j'avais pas assez de contrats photo vidéo à ce moment-là. Faut dire que je poussais pas vraiment pour en faire, mais tout l'argent que je dépensais pour le studio, c'était de ma propre argent. C'était pas de l'argent que je faisais en faisant des photos ou des vidéos pour des clients commerciaux ou résidentiels, n'importe quoi. Fait que c'est ça qui est ça, c'est pas mal les deux raisons qui m'ont poussé à arrêter ça. Surtout la première en fait, de devoir toujours me déplacer au studio. En eux, je trouvais ça tannant, fait que j'avais le goût d'être chez nous. Puis si à matin je finissais de travailler, puis j'allais chez quelqu'un, puis après ça j'arrivais chez nous puis je voulais jouer à l'ordinateur, je pouvais pas, puis il était 7h, il était comme trop tard pour aller au studio, pour après ça revenir. Fait que j'étais chez nous à rien faire parce que je passe pas mal de temps sur mon ordi. Fait que c'est ça. C'est pas mal la raison qui explique le pourquoi de mon départ. Mais on s'en va dans un nouveau projet! Fait que c'est pas mal ça. So, c'est le studio.
qui ressemble à pas grand chose, mais qui va ressembler à quelque chose, j'en suis certain. Il faut que je trouve du rangement, il faut que je pense à des affaires, il faut que ranger tout ça, il faut trouver de la place. Aidez-moi dans ce projet-là. Faut que ça soit rangé, je t'en ai que ça traîne, faut que ça soit efficace. Faudrait que dans le meilleur des mondes, j'aie plusieurs comme décors pour le vlog, ça pourrait être le fun. Fait que pensez à des setups, j'avais pensé aussi à acheter des étagères, acheter des vieilles caméras. Fait que je pourrais avoir un autre type de décor à place de tout le temps filmer dans le même angle. Fait que donnez-moi vos conseils, donnez-moi vos avis, dites votre opinion par rapport à comment que le studio devrait être. Fait que c'est avec vous que je vais construire ce beau studio-là. Ça peut jamais trop être sérieux. Oh my god, ah, il fait chaud là. Il fait vraiment chaud. Ça, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as aimé le vlog. Faut que j'arrête ça là, faut que je me prépare. À soir, j'ai des amis qui viennent chez nous. On va faire un souper, on va faire un feu. On va être juste bien, il annonce pas très chaud, fait que ça va juste être parfait. Le feu va nous réchauffer à la place de nous donner envie de souiller encore plus. Fait que j'espère que t'as aimé le vlog. Profite-en pour donner un commentaire par rapport au setup du studio. C'est quoi ton thinking? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ça va me faire plaisir de te lire encore une fois. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Merci de t'abonner à mon Instagram. Tu vas voir, il va y avoir des photos probablement qui vont arriver bientôt dans mon feed Instagram. Fait que, just like and subscribe. As usual, business as usual, man. Come on, just check it out. Alright, so, on se dit à la semaine prochaine. Merci, thank you beaucoup. Bye bye. Je me suis coupé en faisant la barbe. Comme un maudit débutant. Ça, c'était moi quand j'étais plus jeune. Look at that face! Batman! Bip-bip! Bip-bip-bip! Hey, mon petit acteur! Viens! Allez, viens-moi!